Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Balasta et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment apprivoiser les dinosaures, comment les tame comme on dit. Mais avant de commencer, si vous pouviez vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît et liker cette vidéo, ça m'aiderait énormément, ça me ferait super plaisir. Et je suis également en live à partir de 9h du lundi au samedi sur Twitch, Balasta-TV. Alors pour tame donc un dinosaure pour l'apprivoiser, alors on va voir deux techniques basiques. C'est la technique bolas plus gourdin. Et la technique tout simplement bolas plus sap si besoin. Enfin on verra. Plus flèche tranquillisante. Alors d'abord on va trouver une petite bébête. Il y a un loot par là. Ah il y a un gros, une grosse bébête mais ça risque d'être un peu long. Est-ce qu'il n'y a pas un dodo qui traîne là? Ou un truc un peu plus gros mais... Enfin, une tortue c'est un peu long. Et les bolas, je crois que les bolas ne servent à rien sur les tortues il me semble. Hein. Ah bah ça tombe bien, en plus il y a un para à côté. Il y a des dodos et tout, c'est fantastique. Alors on va prendre le loot. Oh, il n'y a rien de spécial dans l'autre. Ah bah il y a, à la limite, il y a ça. Ça aussi on peut s'en servir d'ailleurs. Attendez, je vais tout prendre. Ça aussi on peut s'en servir pour tame, le lance-pierre pour assommer. Alors du coup la technique c'est quoi? C'est bolas. On lance les boules. On l'accroche. Et là, on lui casse la gueule. Hop. Alors, faut pas taper trop vite, ça sert à rien. Voilà, bon là il s'endort direct, parce que moi j'ai un serveur qui est... Je suis en solo et j'ai des paramètres qui sont un peu plus boostés. Normalement il faudra plus de coups, si vous avez des paramètres assez classiques. Alors là maintenant qu'est-ce qui se passe? Donc on arrive ici, dans le menu donc vous faites E, hein, ou F, hein, ça dépend votre... Enfin comment vous avez mis vos touches. Bref, vous allez dans l'inventaire de votre l'animal que vous avez assommé. Et là, vous voyez, il y a deux choses très importantes, c'est la nourriture et la torpeur. La torpeur, c'est si cette barre arrive à zéro, en gros, il se réveille. Donc là, vous êtes dans la merde. Et la nourriture, c'est tout simplement ça qui va vous montrer... En fait, cette barre va descendre et ça va vous permettre de donner à manger au dinosaure et de l'apprivoiser, du coup. D'augmenter la barre apprivoisement qu'on peut voir en dessous de la barre rose, là. Et lui, il fait du bruit, donc. Alors, du coup, il faut deux choses. Alors, soit c'est un herbivore, il vous faut des baies violettes. Donc là, on ramasse des baies violettes. C'est les plus efficaces, ok. Après, effectivement, vous pouvez donner des rouges ou des jaunes, mais bon, ce sera beaucoup moins efficace. Déjà, de niveau temps et surtout niveau efficacité de tame. Donc, clairement, bon, quand c'est un truc comme ça, un para, vous pouvez le donner directement, les baies. C'est pas grave. Donc, on prend les méjoberies. Voilà, vous voyez, bon, la fin, elle diminue un peu. Là, c'est vraiment pour vous montrer. Certains dinosaures, va vraiment falloir attendre un certain temps qu'ils aient faim pour leur donner à manger. Hein. Là, on s'en fout, on y va direct. Et quand on lui donne... La nourriture va monter et l'apprivoisement monte, vous voyez. Bon là ça monte vite, ok. Vous ce sera sans doute pas le cas. Donc voilà, donc là ça a été très rapide. D'accord. J'ai pas pu vous expliquer les narcos du coup. Mais c'est pas grave. On va aller voir une tortue. Et on va voir la deuxième technique d'ailleurs. Alors attendez, je me souviens plus si les bolas ça marche sur elle. Ah non, elle s'en va les couilles. S'en va les couilles. Donc là on va utiliser ça, c'est les flèches tranquillisantes. Une... Deux, et ça dort. Et si à toi si t'en veux. Toi si t'en veux. Alors passif toi, reste tranquille, reste tranquille, reste tranquille. Hop, une flèche dans le huc. Et toi si tu dors. Qu'est-ce qu'il y a le dodo? Toi tu veux dormir? Alors un dodo on l'assomme. Hein. Un dodo tu lui donnes un coup, tu lui donnes deux coups, et ça fait dodo. Allez, tout le monde dort ici, c'est parti. Ça c'est le mien, allez bouge pas toi. Bon, alors là comment on va faire? J'ai envie de vous montrer, bon, faudrait que la torpeur baisse. En fait, si ça, ça descend trop, plus vite que prévu, il faut lui donner des narcoberries. Narcoberries vous permettra de mettre... Enfin, d'augmenter, regardez. Là, elle baisse. Si je lui donne de force, ça remonte. Vous voyez. Donc là, pareil, c'est la même chose. Vous allez lui donner des baies. Donc là, bah, ils sont sur lui. Ok. Alors là, c'est que des herbivores. Bien sûr, si c'est un carnivore, il va falloir lui donner de la viande. Ok. Forcément, hein. Donc là, hop, ça, on s'en fout, du coup. Hop, on lui donne ça. Elle va manger. Voilà, petit à petit, on va diviser. Je pense pas qu'elle en aura besoin autant. Le dodo, par exemple, on fait ça. Hop, lui, bah, normalement, il va être one shot, quasiment, lui. Voilà. Voilà, dodo, c'est fait. Tac. Et lui, pareil, on lui redonne ça. Voilà. Bon, là, ça augmente vite, comme je vous ai dit. C'est un peu boosté. Tiens, il est plus haut niveau que celui-là. Ça s'est vu direct. Alors plus ils vont être haut niveau, plus ça va être long, hein, forcément. Et si on prend par exemple ça, hein, c'est apprivoisable, bien évidemment. Sauf que ça va être un peu plus long.
Oh là, les bolasses, vous oubliez, hein. Ah, bah on a déjà perdu le dodo. On va l'éloigner des dinos, sinon il va foutre le bordel. On a déjà perdu le dodo. Ah, notre arme est cassée. Bah là, on est dans la merde. À moins qu'il va s'endormir. Je pense pas qu'il va s'endormir si vite. Est-ce que j'ai de quoi... Ah, attendez, j'ai peut-être de quoi réparer mon arbalète. Bah non, il faut du lingot. Bon, tant pis, on va le tuer, lui. Il s'est fait agresser. On va assumer. J'avais pas vu la... Alors, le problème, c'est que je vais peut-être même pas pouvoir le tuer. Bah là, c'était en PLS, actuellement. Alors, je peux pas tirer, en fait, dans la terre. Je suis mort. Voilà, ça c'était cadeau pour la vidéo. C'est faire exploser par ça. Alors il m'a foutu dans l'eau, c'était pas le bon moment. Bon bref, vous voyez, n'attaquez pas. Alors ça c'est un truc, il faut faire attention. Faites toujours attention à vos armes, si elles sont prêtes à se péter ou pas. Hein. Voilà, on a un très très bon exemple ici. Il faut faire attention. On a déjà perdu un dodo. Le pauvre dodo, il a été éteint, il est mort une minute après. Ouais, parce que le fusil en fait, on peut pas l'utiliser dans l'eau en fait. Ce qui m'a un peu... Sinon il... Je sais pas si en deux balles il serait mort, je sais qu'il était blessé apparemment. Mais bon, c'est pas grave. On va récupérer notre équipement et on va aller revoir nos dinos. Oh, il est blessé en plus. Bon, on est reparti. Voilà, normalement, bon là, vu qu'on a fait ce qu'il fallait, ils sont déjà, voilà, ils sont prêts, ils sont là, mes petites tortues et tout. On est content, voilà. Alors par exemple, les carnivores, c'est la même chose, hein, du coup. Vous faites ça, vous mettez de la viande dedans quand ils ont faim. Et hop. Et si ça va pas, si ça descend trop là, vous mettez de la narcobierie. Bien sûr, on peut aussi donner des friandises, enfin des... comment on appelle ça? Des croquettes, tout ça. Et ça, faut les faire pousser, faut les créer. Bref, il y a plusieurs choses techniques, mais là, je voulais montrer les techniques de base. Voilà, et là, je rentre à ma maison. En tout cas, merci à ceux qui sont regardés la vidéo. C'est une vidéo très rapide, très concis. Je récapitule. On attaque avec les bolas si c'est une petite créature pour la stopper. On l'assomme avec le gourdin si bon vous êtes tout au début du jeu et que c'est une petite créature. Sinon, on tire avec l'arbalète que là qu'on a cassé avec des flèches tranquillisantes. Flèches tranquillisantes, faut faire flèches et des narcotiques dans le truc à piler là. Dans cet objet là, regardez. C'est ça qui vous permet de faire des narcotiques. Ok. Mortier à pilon. Et pilon là. Voilà, vous faites des flèches comme ça. Et là, vous êtes tranquille. Et après, par la suite, vous ferez des fléchettes, etc. Voilà, voilà. Bref, n'oubliez pas, pouce bleu et l'abonnement. Si vous avez des questions, vous avez l'espace commentaire. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et moi, je vais taper des dinosaures. Voilà. Bisous, bisous. Ciao, ciao.